Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, avant de commencer, nous disons merci aux sages de Cancan, aux religieux de Cancan. Voilà. Et nous disons merci, merci aux jeunes de Cancan. Le respect a été imposé. Le respect a été imposé. Cancan a montré vraiment que c'est une ville sainte. Parce que des gens ont cru que la force, ils pouvaient imposer cela. Ça va les servir de leçon. Aujourd'hui, où ils sont aujourd'hui, ils ont compris que oui, nous, c'est d'abord le Coran. Ce que la religion demande. Pas ce que les autorités demandent. Ce que la religion demande. Ce monde est éphémère et c'est ce que les religieux vous ont montré. Vous pouvez prendre un imam, même de la Mecque, mais ce que Dieu dit, c'est ça. Ce que Dieu dit, c'est ça. Et vous avez vu ça aujourd'hui à Cancan. Ça vous a servi de leçon. Et ça doit continuer à vous servir de leçon. Oui, ça vous a servi de leçon. Ce que dit la religion, et non pas un individu. Le monde entier est unanime. Ce sont des bêtises que vous avez faites. Qu'Allah pardonne l'âme de notre première dame à cause de vos bêtises. Vous avez voulu ainsi. Vous avez voulu ainsi. Mais vous avez vu aussi la différence. Comme vous dites que non, c'est ce que veulent ces gens-là, les bandits-là. Alors vous avez vu maintenant clair dedans. Nous, on n'a pas besoin de parler. Non, franchement, c'est décevant. C'est décevant ce que ces gens ont fait. Mais vous avez vu, les gens n'ont pas peur parce qu'autre chose de Dieu, les gens ont peur. Les religieux, sinon dire que Cancan, comment on peut prendre un imam à Conakry pour aller à Cancan? Comment on peut prendre un imam à Conakry pour aller à Cancan? Lucène est mort à Massanta, paix à son âme. Pourtant, le statut de Lucène dépasse pour la première dame. Mais le CNRD n'a pas déplacé le premier imam pour aller à Massanta. C'est là que vous sentez que vous avez tapé poteau. Vous vous êtes rabaissé. Le statut de Lucène dépassait pour la première dame. Mais vous n'avez pas déplacé quelqu'un pour aller. Quelqu'un qui était le président de la CENI. C'est une institution. Mais vous avez vu la différence. Mettre l'imam dans l'hélico, l'envoyer à Cancan. Est-ce que la ville de Cancan, la ville sainte de Cancan, est-ce qu'il n'y a pas d'imam pour prier sur le corps? Mais vous pouvez imposer avec la Ligue islamique. Mais vous avez vu le résultat. On vous a dit, vous ne pouvez pas défier. C'est-à-dire ce que Allah dit, l'islam dit, une femme mariée. Vous ne pouvez pas changer cela. Vous ne pouvez pas changer cela. Quand j'entends des gens en train de raconter des salades, dire de n'importe quoi aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui, ceux qui parlent, oui, voici la première dame et le président Alpha Condé. Ils étaient heureux pendant ce temps. Ils étaient en train de danser. Regardez-les. Là, vous n'avez pas ouvert vos gueules pour dire non, ce n'était pas son mari. Voici des images. Nous allons vous montrer. Ça, c'est pour montrer aux ingrats. Lorsque le président Alpha Condé voyageait à travers le monde, venir à la Maison Blanche, ce n'était pas vous. Pendant ce moment, la petite gonflée, ce n'est pas après le coup d'État que non, cette gasse en complicité avec ceux qui ont fait le coup d'État que vous allez manquer de respect au président Alpha Condé. Ils n'ont jamais divorcé. Elle n'a jamais demandé de divorce. Elle n'a jamais demandé de divorce. Ils n'ont jamais divorcé. Pour des bêtises. Vous allez venir vous flanquer, manquer de respect au président Alpha Condé, au mari de la femme. Attendez, je vais bloquer ces maudits-là sur cette page. Ce sont des images. Nous, on vous montre. Ça, c'est pour. On montre ça aux ingrats. C'est pour monter aux ingrats. Ceux qui ont la courte mémoire, ceux qui pensent qu'ils peuvent politiser.
Voici. Voici Adia Diané, paix à son âme. Elle était toute heureuse, partagée. Parce que ces gens, les ingrats, il faut les rappeler ces moments-là. Le mariage, c'est pour le bon et pour le pire. Le mariage, c'est pour le bon et pour le pire. Mais si une gonflée, une fille qui confisque le corps de sa maman parce que qu'elle veut faire plaisir à des gens. Et allons-y, c'est Koun Fayakoun. Si c'est elle qui a raison, l'avenir nous le dira. Mais vous avez bien compris aujourd'hui, les religieux de Cancan, eux, c'est de Dieu, ils ont peur. C'est pas de Mamadi. C'est de Dieu, ils ont peur. Pas d'un individu. C'est de Dieu, les gens ont eu peur. Parce que tu vas aller prier. Foutez-ce que ces gens ont mis sur le mari. Vous avez compris maintenant. Vous avez bien compris. Tout ça, c'est Dieu qui fait. Bon, la famille, on va dépasser ça. Nous, on a déjà mis ça derrière nous. Nous allons parler de Soronkoni. Je vous dis, le CNRD, c'est une déception. Voici ce jeune que vous voyez. Voici ce jeune que vous voyez ici. C'est des gens qui habitent non loin du camp Soronkoni, vers Cancan. Ce jeune a été tiré par des militaires. Ce sont des propriétaires des bœufs. Et je crois que non loin de Soronkoni, l'un des bœufs est allé marcher sur le goudron et le bœuf était coincé là-bas. Ils ont appelé les villageois de venir, c'est-à-dire le propriétaire, le fils du chef du village, les ressortissants du village, ils ont été pour faire sortir le bœuf là-bas, et le bœuf avait le pied cassé, ils ont égorgé le bœuf. Des militaires de Soronkoni, des éléments qu'ils ont envoyés, Rangues, je ne sais quoi, ils ont commencé à tirer sur les jeunes. Les jeunes qui étaient là-bas, qui sont allés tuer le bœuf pour l'envoyer au village, revendre et donner l'argent aux propriétaires. Ces militaires ont commencé à tirer sur ces jeunes. Ils ont tiré sur ce jeune, ils l'ont envoyé à l'hôpital central de Cancan. Les médecins de Cancan ont dit que non, ils ne peuvent pas le prendre en charge. Ils l'ont envoyé à Conakry au camp Samori, au camp Alfaya plutôt. Et le jeune a rendu l'âme. Voilà. Le jeune a rendu l'âme. Et voici comment ces gens, ils ont été dans le village. Voilà. J'ai des images encore. Je vais vous montrer, le général ne parle pas dans le vide. Attendez, j'essaie de vous montrer bien. Voilà. Ce sont des vidéos, voilà, des vidéos de des responsables de Soronkoni. Ils se sont déplacés pour aller dans le village. Non, ça va plus se répéter. Ils demandent pardon. Voilà, ils sont, voilà, une délégation de Soronkoni, des militaires. Ils sont dans le village. Le jeune, c'est le père de deux ans, c'est le mari de deux femmes et des enfants. Voici ce qui se passe dans le pays. On a vu ce qui s'est passé à Cancan. Comment ces gens-là, c'est-à-dire, ils pensent que, j'ai dit, hors la loi. Ils ont militarisé Cancan, on avait parlé ici. L'argument qu'ils ont trouvé, c'est de mentir que oui, Ali a pris la fuite. Je vous ai dit, c'était faux. Ali a été quelque part. Ils connaissent, moi je le sais aussi. Mais quand je vais dire encore tout de suite, de la manière ils ont déplacé Ali à Soronkoni, ils vont faire pareil. C'est pourquoi je refuse de dire publiquement où se trouve Ali. Lorsqu'ils ont transféré Ali, ils étaient 11, j'ai parlé de ça ici. Et quand ils ont compris cela, parce que les petits de Ali, ils disent, il y a beaucoup d'éléments des forces spéciales qui ont pris la fuite. Donc ils ont juré qu'ils vont venger Ali, qu'ils vont le libérer. Donc, Doumbouya et ses éléments, lorsque nous avons dévoilé le secret qu'Ali a été déjà à Soronkoni, vous avez vu ce qu'ils ont fait des commandants, ils les ont tous virés. Ils ont changé complètement le personnel de Soronkoni. Ils ont transféré encore Ali. Donc, je vous ai dit, je ne vais pas dire.
pour ne pas qu'on lui crée encore des problèmes. Donc tout ça, parce qu'ils se disent que non, ils sont forts. Aujourd'hui, c'est des hors-la-loi. On parle de ce village dans tout maintenant. Et Koya, il est nu encore, parce qu'il n'y a pas de discipline. Quand tu prends un tapissier, des vauriers comme des balas, quand tu prends des vauriers comme Amara, co-responsables de ce pays, des irresponsables à la tête du pays, c'est le désordre. Hier encore, à Koya, vous avez vu des émeutes ce matin. Je crois que j'ai les images de ce qui s'est passé à Koya, je vais vous montrer. C'est horrible. Tout récemment, à Sangoya, vous avez vu un élément des forces spéciales. C'est-à-dire, ils ne font que droguer ces soldats. Rien d'autre. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Voilà. Bon, pour ceux qui n'osent pas voir le sang, je crois que vous ne devez pas regarder. Voilà, ceux qui n'osent pas voir le sang, vous ne devez pas regarder cette vidéo. Vous avez vu? Le gars, hier, ils ont tiré. Pareil. Simple patrouille mixte. Ils voient des citoyens, ils tirent comme ça. Avec des balles réelles, le jeune est mort après. Voici pourquoi il y avait des émeutes aujourd'hui à Koya. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Où est la loi? Il n'y a pas de manifestation, rien du tout. C'est le mois de Ramadan. Les gens vont... Il y a des prières nocturnes. Il n'y a pas de couvre-feu, rien. Il y a des prières nocturnes. Comment des soldats, comment des policiers peuvent aller tirer sur un jeune, sur sa tête? C'est incroyable. Si je joue la vidéo, je ne veux pas que Facebook me censure. Mais c'est grave, c'est horrible. Je ne peux pas jouer la vidéo ici. Ça est sur une page Bessia TV. Vous pouvez aller sur Bessia TV. La vidéo est là-bas, mais c'est horrible. C'est pourquoi les jeunes étaient dans les rues aujourd'hui. Je crois que j'ai quelques images, je vais vous montrer. C'est incroyable. Nous sommes avec des bandits réunis. Vous voyez, c'était ce matin à Koya ce matin. Les jeunes ont barricadé la route. Ils demandent justice. Est-ce que y avait couvre-feu? Il y a des prières de nuit actuellement. Les gens sont libres, allez, dans la peuvent décider. Comment ces gens-là peuvent prendre des décisions pareilles? C'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est dommage. C'est dommage ce qui se passe. C'est dommage. Wallahi, c'est dommage. Likez la vidéo, partagez. Non, c'est vraiment dommage. Hein. C'est dommage ce qui se passe dans le pays. Hein? Attendez, il y a quelqu'un de gars ici, je vais te bloquer parce que vous ne comprenez rien. Donc, franchement, comme le CNRD, vous n'avez pas compris la leçon, je crois que le cas de Cancan, ça va vous donner à réfléchir. Al-Kokwalu-Nyonte, que vous êtes fort, mais... On vous a montré la différence. Vous avez eu peur que le président Alpha Condé organise les obsèques. Vous avez vu la différence pour vous dire combien de fois le président Alpha Condé, il est respecté. Même pas, mettons le président Alpha Condé de côté. Vous aviez défié l'islam. Ce qui s'est passé, vous avez tout simplement défié l'islam. C'est ce que vous avez fait. Le président Alpha Condé et la première dame, paix à son âme, ils étaient toujours mariés. Il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait pas de divorce. Mais comme c'est vous, les hommes forts aujourd'hui, vous ne voulez pas que le président Alpha Condé organise les obsèques de sa femme. C'est vous qui êtes forts aujourd'hui. Vous ne voulez pas voir cette foule. Parce que c'est tout Cancan qui allait sortir. Il ne sortait pas pour le président Alpha Condé comme le recommande l'islam. Mais vous avez voulu défier. Vous avez eu l'échec de votre vie. La honte de votre vie. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il marque le président Alpha Condé là-haut. Tu as arraché le pouvoir, ça appartient au peuple de Guinée. Mais sa dignité, son honneur, sa femme, ça l'appartient seul. Aga Guinée l'appartient seul. Et tu as voulu encore montrer que tu es fort. Mais Aladi Bessaradam, tu as voulu vraiment défier la tradition. Mankal, la tradition. Et Koko Tielile, Mamadi. Wallah, Tietie, Mamadi. Il là-bas, on dit que Benya Koroya.
nka wole fo fisiri lombali fisiri lombali besaray alaboro fisiri lombali c'est pour quand ka wole fo moi mamadine tese atese dialagne fisiri lombali moi ita ki koka kobekinye. Ils ont menti ici devant les gens de Kankan. Konon, c'est le coup d'état du président Alpha Condé. Awa mi bra bebo. Vos mensonges. Ah non, nous on est venus. On est sur la voie du président Alpha Condé. Président Alpha Condé treko koka. Anya kakao leko. Vous avez compris maintenant des menteurs. Nafilou. Via Folalou. Le coup d'état des bandits. L'armée guinéenne en a marre aujourd'hui. Le peuple de Guinée. Vous allez comprendre. Alama Sunkaro Bana. Après le mois de Ramadan, envoyez les militaires comme vous voulez. Wallahi akatomio akatawli. Moi, je vous ai déjà dit. Le jour que le peuple va sortir, les soldats patriotes, vous allez les voir. Mamadi Tchétio, toi, tu n'es pas un homme. C'est Alia qui a osé attaquer la présidence. Il y a beaucoup d'Alia dans l'armée. Tchétio, Mamadio. Tchétio, Féféo. Mais Anyewa Matou, ton pouvoir là, c'est question de jour. Allons-y seulement. Si ça doit dégénérer, ça va dégénérer. Si ça doit mal tourner, ça va mal tourner. Tu n'es pas le plus béni. Toi, tu viens t'attaquer à tout le monde. Nos élites, humilier les gens. Un tonneau vide comme toi. Tu étais dans la Légion. Pourquoi tu as laissé l'armée guinéenne pour aller dans la Légion? N'eût été la complicité de ce traître crâne rasé, Idi Amin. Il est de quel mouillé la Guinée armée. Il est de quel mouillé la Guinée armée. Ni Djamfantente. Et ils sont là pour dire mandé, mandé. Fissilon Bali. L'Ansana Conté était là, 26 ans. Personne ne l'a humilié. Troisième mandat, quatrième mandat. Mon développement traité. Quand l'État traité. Soit petit traité. Almeria traité. Quand Kasso Kono Goudron traité. Route nationale. Alou Djamfantelou. Fissilon Balilou. Quand Mamadi Takako. Quand l'attaque à quel officier. Ce n'est pas l'armée guinéenne, l'armée française. Ce n'est pas la Légion qui t'a formé comme étant officier. Tu n'étais qu'un simple Lakoudou. Un simple mercenaire. Tu as été viré pour indiscipline. N'eût été Idi Amin qui a trompé le président Alpha Condé. Il est Mamadi Djoumantereye. Djoumantereye, fils de l'Ombali, côté Founyene. Le président Alpha Condé ne t'a rien fait. Il t'a protégé ici. Même fois on t'a dénoncé. Mais le président Alpha Condé t'a protégé. Il est fils de l'Ombali. Même fois, les gens t'ont signalé. Tu veux faire le coup d'état. Celui qui t'a protégé, c'est le président Alpha Condé. Sinon, aurait été quelqu'un d'autre. On allait te faire disparaître depuis longtemps. Celui qui a sauvé ta vie, c'est le président Alpha Condé. Celui qui t'a protégé, c'est le président Alpha Condé. Celui qui t'a fait connaître au Guinée, c'est le président Alpha Condé. Tu n'as que Foytiye Fofisili Lombali. Israël Alaboro. Anyewa Matou. Tiens, t'es ce Dona Mamadi. Fisili Lombali Lidi. Mais Anyewa Koka, tu penses que tu es fort aujourd'hui? Foytiye. Foytiye. Djamfante Sarai Alaboro. Eh, tout le monde a vu ici. Fraoul, Beka Yeke, Alaka Fankadama, Kase Bedama, mais à l'après la Malomina Fana, Beka Oye Fanako. Donc, à Kanaki Yenoko Bikonoko Baraka, il faut être fait. Yaka ka présent Alpha Condé, ka dole la koka. Kouile ko wara li ledi. Yena ka, ka djamfa ke mwala, aye Fankadima, ye Fanka Kreota. Ce n'est pas l'armée guinéenne qui a fait le coup d'état. C'était toi. Tu as trompé l'armée. Où sont les 42 généraux? Où sont les commandants, les capitaines, les 200 personnes? Kofi Silom Bali Yako, t'es fort. Ton pouvoir, tu t'es battu pour le président Alpha Condé. Tu étais flanqué en France à l'époque. Lui, il se battait. Tu es venu trouver que le président Alpha Condé était président. Il est Fissili Lombali. Kote Founyana Mamadi. Il m'a fouillé que le président Alpha Condé. Fouille tiye fo Fissili Lombali. Tu n'as pas pris les armes pour dire non, tu t'es battu. Fouille tiye fo Fissili Lombali. Mamadi. Là, ça raconte. Atreyao, Surasi, Mouamounou Manamana Kafola, Lansana Kouyate, Ousmane Kaba, allez mande Nyangbolou. Allez mande Nyangbolou. Manka Nyangbolou. Atreyao, Al Maouri, Al Kokan, Kafokona, allez Lansana Konte Kere. Présent Alpha Kondele, Al Djole, Al Yirekan Mouali, because I hinela Allah, Al Fisri Lom Balilou. Lansana Konte Treyao, Tietra Iliou, vous étiez jeunes, vous étiez forts, vous étiez des leaders. Pourquoi vous n'avez pas osé attaquer Lansana Konte, Fisri Lom Balilou? Manka Nyangbolou, Alumbra Mankayat Boyabi, Albra Mankalu Tochiembi, Alou Fisri Lombalilou. Là, ça raconte Terea. Sosoma Djamfa, Bressema Djamfa, Fulama Djamfa, Mankama Djamfa. Alou Nyangbo, Nyangbo. Aldi Mouke, la Guinée, président Fakonde Maminke. Alie Kankambi, Alie Goudron Kokan.
Kourani Miyaye, président Alpha Condé, entré 26 ans au pouvoir ici, Al Kamunke, Tissululom Bali Nyangbolu. Voilà, il a quand même dit président Alpha Condé. Adomara Ilabio. Al Mala Mol là-bas. Al Kayebi, on va demander aux autorités préfectorales de sortir. Kamolu obligé Kabo. Malka Yal Nyalabi. Faut étal dit. Président Alpha Condé. Hansini, Adouma Mol Nyamande. Hansini, Adouma Mol Nyalaguine. Benyala, tu es de ton quotidien. Alou Fissulom Balilou, Nyangbo Balilou. Ce que Dieu a décidé, moi, c'est TC. Foy, al TC, force les cala. Quand il est présent, il faut qu'on est maintenant. Alou Nyangbolou. Al TC, malo yalao. Mais Anne Wamatou, Alla Banditia, Baraka Djurou Lolomina, Antena Alka Mefana, Alla Sontie, Alla Djamfante, Mamadi, Baraka Djurou Lolomina, Antena Alka Mena. En tout cas, Allah malahine la Adja Genera, parce que Ibada Dendo Sorola, Danka Ding. Voilà, il y a Dendo Sorola, il se koto la ake koro. Bi, bebra tien yi. Ale rekani, abara ya nyala bi. Mais, anye wa matou, mbara fali nyene. Mamadi Doumbouya lako, question de tan et tout, sinon sera si bè, la Guinée sera si bè, belle si ni monero bi. Ni mulfa e mol brobi sa bandi barabo mo ankuna bi jama barabora lomina wallahi bandi chami de bankuna mama di saraka bodi wallahi bebra chiye ila fanako mol trai la ko idi hankri soro tu as fait le mal que tu allais te racheter maintenant hankri dan idi imira la ko fanka le ko bekela mais anda iri la ko na ko fanka te ko bekela e makanka taibi ya la ko fanka ila tu as pris les militaires katakanka kalu mate 3 ans de prison pour des manifestations. 3 ans. Et ils n'ont même pas cassé chez lui. Hein. Car via Foko, ils ont caché chez eux. Ils sont en train de reconstruire trois maisons familiales de Mamadi. Chez son papa, à Nabrala, à Burilankalou Barala. Ils sont en train de construire ça aujourd'hui. Et le Koto Moufala Moulunyene, tu es en train de construire chez toi aujourd'hui. Vous êtes en train de déposséder Dr Dianey de ses biens. Allez à Kakako Djoulouke. Mamadi, du matre il est bro. C'est pas à cause de cette richesse. C'est pas à cause de cette richesse, de la drogue et autres, tu as fait ton coup d'état. Vous êtes en train de humilier nos élites, ceux qui ont développé ce pays, les docteurs Kassori. Vous êtes en train de les humilier aujourd'hui. Aluaka Kafeloulo, Kabonoulo. Mori, aujourd'hui, qui fait sortir des familles, qui fait pleurer des familles. Bi, Mori Boto milliard et minibi, Kadousa. Alunyangbolu. Ala Banto Tienima. Mais Anyawatu. Ce que vous avez mis en place aujourd'hui, c'est ce que nous allons appliquer contre vous. La CRIEF là, sera appliquée encore sur vous. Massacrer l'intérêt de Nia Banao. Anyewa, Allah Nyangbo Yaoma. Côté fort. Fissililom Balia, côté fort. Mais Anyewa, moi de Ramadan, wallahi, vous n'allez pas tromper quelqu'un. Vous allez tout faire, vous n'allez pas tromper ce peuple de Guinée. Et maintenant, là, les prochaines manifestations, c'est sur l'étendue du territoire. Moi, je l'ai dit, hein, si les responsables nous parlent de Conakry, je ne vais même pas annoncer quoi que ce soit. Il faut que la manifestation, ça soit sur l'étendue de la Guinée. Parce que le prix de l'essence, c'est pareil partout. La cherté de la vie, c'est pareil partout. Ce n'est pas que Conakry. Il faut que maintenant, les prochaines manifestations, que ça soit sur l'étendue du territoire, pour montrer à ces bandits, à ces narcos, que le peuple en a marre. Mais à chaque fois, vous dites Conakry, comme vous avez vu, Kankan. Ils ont déplacé des gendarmes de Mamou, ainsi de suite, pour aller à Kankan, aller mater les gens. Mais si vous dites sur l'étendue du territoire, vous allez voir leur faiblesse. Même l'armée, arrivée à un moment donné, c'est comme au Soudan, non? Au temps de El Bachir et autres. Mais l'armée, à un moment donné, ils se sont dit, les généraux, hey, où la chose prend la tournure, là, il est temps pour nous de se rapprocher du peuple, parce que c'est le pouvoir du peuple. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et le bandit, il a peur de ça. Donc, les prochaines manifestations, décidez entre vous. Il faut que ça soit sur l'étendue du territoire. Les grandes villes, voilà. De Lola jusqu'à Kassa, tout le monde doit sortir. Et vous allez comprendre que ce bandit, il n'est rien. Nous sommes tous conscients. Nous connaissons le poids de Ella Seloudale en Guinée. Le bandit est aujourd'hui opposé à Seloudale. Nous connaissons le poids de Sidia. Ils connaissent le poids du RPG. L'importance de la société civile, du FNDC. Mais aujourd'hui, les bandits pensent pouvoir défier avec l'arrogance et nous devons leur montrer que oui, nous en avons marre de leur arrogance. Ces bandits, ces vauriens, trop c'est trop. Trop c'est trop.
l'arrogance de ces gens, il faut que le peuple s'élève. Et c'est ce qui donnera plus de force à l'armée de décider d'être du côté du peuple. Vous avez vu Ibrahim Traoré au Burkina? Est-ce qu'Ibrahim a tiré sur quelqu'un? Damimba a été tué? Non. Quand le peuple décide et l'armée se joint au peuple, mais Mamadi Doumbouya était un narco. Mamadi Doumbouya était un bandit. Il a fait un coup d'état, un instinct de survie pour sauver sa tête. Dans l'affaire de drogue, il allait tomber avec Idi Amin. C'est pourquoi ils ont fait ce coup d'état. Où est les 42 généraux de l'armée? Si c'était une décision, oui, à l'interne de l'armée. C'est le bandit pour sauver sa tête. Où sont les 42 généraux? Où sont les promesses qu'ils ont tenues pour les généraux? Je vous dis, ce sont des bandits, ces gens-là. Des narcos. Kambere Balou Solou. Djamfantelou. Mais Aldal et Agnala. Aldal et Agnala. Donc, je vais m'arrêter ici. La famille, le combat continue. Abat les putschistes, abat les narcos. Alama tient de maintenant. Et une fois encore, je dis merci à Cancan. Merci aux religieux de Cancan. Merci à la jeunesse de Cancan. Vous avez montré à ces bandits-là Kofankate Kobekela. Fisri Lom Balilou. Albera Ila Allah. Kofankate Kobekela. Voilà. Donc, c'était le.